Good morning, allez, Iden, les sutres aujourd'hui, le Nishmat, Machlouf, Mincha, Ben Masoud, Anachman, Yosef, Ben Nachum, Avraham, Chayn, Orbe, Batordun, Mazal, Dov, Ben Yudit, Yaakov, Nissim, Ben Chana, et Maurice, Moshe, Ben Sultana. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet, Meila, Perek, Vav, Mishnah, Gimel, Nathan, Lopruta, Vamarlo, Haveli, Bechetzia, Nerot, ou Bechetzia, Ptilot, Alach, Vevilo, Bekula, Nerot, ou Bekula, Ptilot. Ou Shamarlo, Haveli, Bekula, Nerot, ou Bekula, Ptilot, הלך והביא לו בחציה נרות או בחציה פתילות, שניהם לא מעלו. אבל אם אמר לו, הביא לי בחציה נרות ממקום פלוני ובחציה פתילות ממקום פלוני. והלך והביא לו נרות מבית פתילות ופתילות מבית נרות, השליח מעל. משנה un peu plus simple, vous connaissez déjà tous les principes, on va les rappeler. Premièrement, le français c'est l'interdit de Mila à partir du moment où on a il faut une mesure de une prouta, d'accord? Une valeur de une prouta. On avait déjà expliqué ce qu'il faut faire perdre une prouta, profiter d'une prouta. Mais peu importe, là n'est plus notre problème, là on parle d'une pièce qu'on a dépensée. Il faut dépenser au minimum une prouta, d'accord? Premièrement. Deuxièmement, dans Meïla spécifiquement, ouais Meïla, je rappelle le sacrilège bien sûr depuis le temps, Meïla, dans Meïla, eh bien il y a une particularité, c'est que Yesh Shaliach Lidvar Avera. Si je donne de l'argent à un émissaire, un chaliach, qui va lui aller dépenser cet argent, ben cette fois-ci, c'est moi qui vais transgresser la vera et pas lui. Ok? Maintenant, on apprend une nouvelle petite règle qui découle de notre Mishnah, que c'est la base de notre Mishnah, en fait. C'est que si je donne une prouta à quelqu'un pour qu'il aille m'acheter deux objets et qu'il m'en achète un des deux, eh bien, il a fait la moitié de ma shlichut. Et inversement, je lui demande d'aller acheter deux fois le même objet, va m'acheter deux stylos, il est parti m'acheter un stylo et un crayon, et bien dans ce cas-là, il a fait la moitié de ma shlichut, et l'autre moitié, c'est lui. De ce fait, on applique tout ça dans Meïla, et ça sort que si je donne une prouta à quelqu'un pour qu'il aille m'acheter un bonbon et un chewing-gum, et il est parti m'acheter deux bonbons pour une prouta, il s'avère que personne n'a fait la Meïla. Pourquoi? Parce que pour le premier bonbon, c'est mon chaliar, donc j'ai transgressé l'interdit moi de Meïla pour une demi-prouta. Mais pour le chewing-gum, c'est lui qui l'a dépensé. Donc lui, il a dépensé une demi-prouta. Il s'avère qu'aucun de nous deux n'a transgressé l'interdit de Meïla pour une prouta. Et c'est le principe de notre Mishnah. Natanlo prouta. Il a donné une prouta à son chaliach. Amarlo, et il lui a dit, Haveli bechetzia nerot ou bechetzia ptilot. Amène-moi avec cette prouta, tu vas m'acheter des bougies, des nerot, c'est plutôt des fioles. Avec, en plus de ça, et avec l'autre moitié, tu m'achètes des mèches. Ouais, imaginez que c'est des bougies où il faut mettre les mèches. Donc, je te donne une prouta, avec la moitié tu m'achètes de la cire, et l'autre moitié tu m'achètes des mèches. Et qu'est-ce qu'il a fait le chaliach chacham? Halach ve'evilo bekula nerot bekula ptilot. Lui, il est parti, il a dépensé toute la prouta pour acheter soit des bougies en cire sans mèches, ou soit des mèches sans bougies. Et bien, dans ce cas-là, quoi? Alors, oh, la Mishnah, bon, elle va nous dire à la fin, Shneem lo malou, aucun des deux va faire la Meïla, d'accord? Maintenant, la Mishnah, au lieu de proposer la halacha, elle va d'abord nous rentrer dans le deuxième cas. Et, mais la suite, ça va être de nous dire, Shneem lo malou, aucun des deux a transgressé l'interdit de Meïla, pourquoi? Parce que, sur, quand j'ai acheté, il m'avait dit d'acheter un peu de mèche et un peu de cire. J'ai acheté plein de cire. Donc, la moitié de la cire que j'ai acheté, c'est acheté route, donc c'est lui qui l'a dépensé. Mais l'autre moitié, c'est moi qui ai pris l'initiative de le dépenser, donc c'est moi qui ai transgressé. Personne n'a dépensé une prouta. Même principe aussi, s'il a fait Osha Amarlo Haveli Bekula Nerot ou Bekula Ptilot. Même chose s'il lui a dit apporte-moi, ou il lui a dit apporte-moi pour toute sa valeur des bougies de cire, ou bien, ou pour toute sa valeur, oh Bekula Ptilot, ou bien pour toute sa valeur des mèches. Et qu'est-ce qu'il est parti faire lui? Alach Vevilo Bechetzia Nerot ou Bechetzia Ptilot. Il est parti la dépenser la prouta pour acheter la moitié des bougies de cire et l'autre moitié des mèches. Alors quoi? Shneem lo malou, aucun des deux n'a transgressé l'interdit de Meïla en dépensant une prouta. Ok? Donc, comme on a expliqué, parce que sur le. Ce qu'il a, la moitié de ce qu'il a acheté, c'est la shlichut. Donc, ça, c'est l'envoyeur qui a transgressé l'interdit de Meïla pour une demi-prouta. Et l'autre. Et tout ce qu'il a changé de sa propre initiative, c'est lui qui transgresse l'interdit de Meïla pour une demi-prouta. Donc personne n'a dépensé une prouta. Par contre, aval, cependant, mais, ima marlo haveli bechetzia nerot mima komploni ou bechetzia ptilot mima komploni.
Je lui ai dit, s'il te plaît, tu vas, tu m'achètes des bougies de cire de là-bas, la rue 1, et des mèches de la rue 2. Ok? Et qu'est-ce qu'il a fait, lui? Ve'alach, il est parti. Ve'vilo nerot mi bet ptilot, il est parti, il a fait le contraire. Ve'vilo nerot mi bet ptilot, il lui a acheté des bougies de la rue 2 et des mèches de la rue 1. Ouais, c'est le contraire, quoi. Je sais plus où j'en étais, mais je vous fais confiance. Vous avez compris. D'accord? J'ai dit, tu prends les bougies de là-bas et les mèches de là-bas, et il est parti prendre les mèches de là-bas et les bougies de là-bas. Il s'avère que quoi? Eh bien, où j'en étais? Ve'alach ve'vilo nerot mi bet ptilot. Il lui a apporté les bougies de là où il devait prendre les mèches, ou ptilot mi bet nerot, et les mèches de là où il devait prendre les bougies. Et bien dans ce cas-là, Shaliach mal, c'est le Shaliach qui a transgressé. Pourquoi? Parce que lorsque je t'ai demandé de prendre de là-bas, j'ai des raisons pourquoi. Si je te dis de prendre de là-bas, c'est parce que je veux de là-bas et pas d'ailleurs. Je veux cette qualité, je veux ce vendeur, je veux que... Peu importe, c'est pas votre, c'est pas ton problème. Je fais ce que je veux, je t'ai dit de partir là-bas et pas là-bas. Quand tu es parti là-bas pour m'obtenir la même chose, c'est plus ma chenirkhout. Il s'avère que dans ce cas-là, le chaliar, il a dépensé toute la prouta pour son compte. Parce que c'est de sa propre initiative qu'il a acheté les bougies d'ailleurs et les mèches d'ailleurs. Donc il a celui qui a dépensé toute la prouta tout seul. Et de ce fait, le chaliar, il a transaction d'interdit de Meïla. En dépensant une prouta, il devra apporter son korban, Hacham Meïlot, en remboursant la prouta et en rajoutant même le cinquième. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine. Aslacha Kolto, c'est là.